Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tuto Afro. Si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une de mes prochaines publications. Je publie tous les mercredis et samedis 18h30 heure de Paris. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment signaler une adresse mail en spam. Il peut arriver que votre adresse mail est utilisée sur plusieurs plateformes et que vous recevez des newsletters ou bien vous recevez des mails en répétition qui vous lancent sur quelque chose. Donc, comment procéder donc? Une fois que vous avez reçu ces mails-là, comme vous voyez là, je reçois des mails de spam, donc des mails qui sont censés arriver dans des courriers indésirables, mais qui arrivent plutôt dans votre boîte principale. Il arrive des mails d'arnaque, comme vous voyez là, par exemple, nous vous informons que votre profil a été accepté. Où on vous demande de cliquer sur certaines choses. Voilà. La première des choses à faire, vous voyez, vous regardez le mail. Ça, c'est une adresse email. Donc, vous voyez là, c'est bizarre. Vous descendez là, la première des choses à faire. Vous cliquez sur « On subscribe ». Ici, c'est de souscrire. Donc, voilà. Voilà. Et du coup, là, vous cliquez. Donc, vous choisissez le pourquoi vous voulez vous désouscrire. Comme le site est en anglais, vous pouvez le mettre en français en traduisant avec l'onglet Google Traduction ici par exemple. Voilà, vous cliquez là, l'extension Google. Voilà, mais bon, moi je comprends, donc je ne veux pas recevoir ces mails, donc je clique juste la chaîne feedback. Voilà, c'est fait, vous fermez là. Et du coup, vu que parfois ces personnes ont votre adresse email dans leur base de données, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez venir ici, soit là, ici, vous cliquez sur les trois traits là, vous bloquez la personne, comme ça, vous le bloquez et vous cliquez sur considérer comme spam. Vous bloquez, vous le considérez comme spam. Donc, vous venez dans là, vous choisissez tous les mails des personnes, voilà. Je sais que c'est un peu long, vous cliquez là, signaler comme spam, vous vous désabonnez, ça vous désabonne. On va essayer de voir si on peut choisir plusieurs personnes à la et les signaler comme spam. Non, là. Voilà, une fois que vous avez donc sélectionné plusieurs personnes, vous venez ici et à signaler comme spam. Donc après archiver et entre supprimer, vous cliquez là et vous appuyez sur spam et se désabonner. Donc voilà. Voilà, vous avez aussi la possibilité de sélectionner plusieurs mails à la fois et les bloquer et les signaler en spam immédiat. Donc comment procéder donc? Vous allez sélectionner donc vous cochez tous les mails que vous considérez être des spams. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous allez venir ici, signaler comme spam. Vous cliquez là et du coup, il y aura la liste des mails que vous avez sélectionné. Je vous conseille de cliquer sur spam et se désabonner parce que il s'agit par exemple que vous vous êtes inscrit sur la newsletter et du coup en signalant juste comme spam, cela ne va pas empêcher que vous recevez par exemple ces newsletters dans votre boîte principale. Donc il faut les spammer et se désabonner. Donc vous cliquez là et une fois que vous avez cliqué, automatiquement les conversations sont marquées comme spam et sont effacés dans votre boîte principale. Et du coup, là, si vous venez dans les spams, vous voyez, ces mails sont là et vous venez juste dans spam, vous supprimez tous les mails et c'est tout. Donc, c'est ici que se termine cette vidéo. N'hésitez pas de me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé et n'hésitez pas de partager la vidéo, de me mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a intéressé. Quand vous likez une vidéo, vous laissez un commentaire. Ceci permet à l'algorithme YouTube de mieux référencer ma vidéo à d'autres personnes qui peuvent avoir envie d'une solution que j'ai abordée dans ma vidéo. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne, de partager. Si vous avez une question ou une demande, n'hésitez pas de me contacter sur Instagram. Le lien est en description de la vidéo. À la prochaine pour un nouveau tuto.